Quand je vous vois si nombreux aujourd'hui, eh bien je dis voilà notre belle Guadeloupe. Cette Guadeloupe que nous avons besoin, cette Guadeloupe solidaire, cette Guadeloupe ensemble. Merci à vous, bonne journée. C'est la deuxième fois que je participe à la foulée des Rubans Roses. C'est une cause qui me parle par rapport au cancer du sein. Mobilisons-nous tous. Je remercie bien entendu les collègues du conseil régional qui sont présents aujourd'hui. Je dis aux femmes de Guadeloupe, prends soin à tété azote parce que c'est important. C'est de la prévention et ça évitera les morts. Ça peut nous concerner tous. Nous ne sommes pas à l'abri. Donc aujourd'hui, j'ai tenu à être là pour les appuyer, pour les encourager justement à mener cette cause. On peut se battre pour toutes les femmes, les hommes qui sont atteints de ce cancer, les accompagner au maximum sur toutes les manifestations, sur tout ce qu'ils peuvent entreprendre dans la vie de tous les jours, car c'est vrai, c'est pas une maladie qui est facile. Ce genre de manifestation donne de l'espoir. Et comme le proverbe le dit, hein, dès qu'il y a espoir, il y a vie. Je félicite Monsieur le Président Richalus qui a tenu toute sa promesse. Aujourd'hui, regardez bien cette marée humaine, cette marée en rose, on va dire ça comme ça. Vraiment la région, merci et merci encore. Je dis, luttons encore ensemble pour le cancer, ce foutu cancer qui nous atteint presque tout le monde. L'an dernier, on s'était dit plus de 2000 personnes, on a 2400 personnes pour pouvoir marcher, courir contre le cancer du sein. Donc voilà, c'est une belle réussite. Je tiens à féliciter les organisateurs. La région Guadeloupe est un partenaire incontournable depuis l'organisation de cette manifestation. Nous avons toujours été présents et nous continuons à l'être, que ce soit pour le cancer du sein, que ce soit pour la drépanocytose, que ce soit pour le diabète. Oui, c'est un combat que nous menons. C'est cette solidarité qui nous permettra d'avancer en Guadeloupe.